Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo make-up pour Noël. Donc voilà, je vais commencer tout de suite et je vous montre mon make-up. C'est pour ça que j'ai mon visage qui n'est pas maquillé, que je ressemble un peu à un cadavre. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, j'utilise ma base de chez ELF pour hydrater mon visage et pour faire tenir mon make-up. Ensuite, j'utilise mon fond de teint de chez ELF anti-acnéique, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, je l'étale partout avec mes super pinceaux, bon, de chez AliExpress, hein, pas des vrais réels techniques. Ensuite, un bronzer de chez Rimmel. J'aime beaucoup ce bronzer, je trouve vraiment sympa, même s'il est un tout petit peu irisé. Donc voilà, je fais mon contouring autour du nez, voilà, pour la mâchoire, etc. Ensuite, ma poudre de riz de chez Bourjois, que j'applique et qui du coup estompe un petit peu mon contouring pour éviter de briller dans la journée. Mon blush de chez ELF, il est juste magnifique. Je l'aime beaucoup ce blush. Donc voilà, mon petit crayon à sourcils de chez Bourjois aussi. Ma base à paupières de chez ELF pour les fards un peu pailletés. Et voilà, mon fard à paupières de chez Urban Decay. Voilà, un joli vert, il est vraiment juste magnifique, quoi. Vert un peu bleuté quand même, mais vraiment très beau, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'on ne voit pas assez les couleurs sur ma vidéo, ça a tout un ton bleu. Ensuite, j'utilise un vert un peu plus pailleté, vraiment, vraiment pour les fêtes, pour accentuer cette couleur de fête. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et cette petite palette m'a vraiment rien coûté sur... Faire pailleter comme ça pour les fêtes, j'ai trouvé ça super. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, un petit fard doré de chez Réserve Naturelle. Voilà, on voit pas très bien le focus. Voilà, en recoin interne pour donner un petit peu de lumière à ce make-up. Voilà, j'estompe le tout. Voilà, pour fondre un petit peu les couleurs et pour un peu flouter les bords. Ensuite, j'enlève en cas où il y a eu des résidus, parce que les fards, certains sont un peu poudreux. Mon petit eyeliner de chez ELF. Et oui, moi, c'est des eyeliners pinceaux, parce que je ne sais utiliser que ceux-là. Les feutres, je fais des traits beaucoup trop gros. Donc voilà, un petit trait d'eyeliner tout simple. Mascara Le Roquette de chez Bourjois, un de mes préférés, un vrai chouchou. Donc voilà, sur les deux yeux, un petit coup de crayon et le tour est joué. Et voilà mon make-up pour les yeux. Ensuite, un jumbo de chez H&M que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour faire un côté un peu nude, quand mes yeux sont soutenus, je mets du nude. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je me recoiffe, hein, bien sûr. Mon petit pull, voilà, il est trop mignon. Le petit biscuit. Et voilà ce que ça donne, un peu plus près. Donc voilà, c'était mon tuto pour les fêtes. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est un maquillage un peu soutenu sur les yeux et vraiment... Moi, si c'est soutenu sur les yeux, c'est nude sur la bouche. Et puis pour les fêtes, je trouve que soutenu comme ça, vert, je trouve ça plutôt sympa. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.